pense que s'en sort sur un bel exploit d'Eddy. On était deux au mur et Eddy a réussi à nous sortir d'une situation périlleuse et je pense que c'était un match compliqué. Je pense qu'on a peut-être été un peu trop facile en abordant ce match, mais Marseille aussi a fait un bon match, donc on repart avec le nul. Ils attendaient ce match. Peut-être qu'on aurait dû l'attendre nous aussi un peu plus. Après, c'est vrai que nous, on a beaucoup de matchs, beaucoup de choses à se concentrer. Et eux, c'est le match de leur année. Donc, c'est vrai qu'il n'avait pas la même importance. Donc, peut-être que c'est de notre faute. On se remettra en question en temps et en heure. Mais je pense qu'il y a eu un problème, peut-être au niveau comment on a abordé le match. Peut-être que c'est de notre faute. On verra en temps et en heure, comme je dis. Bon. Non, 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 c'est pas se sentir au-dessus. Je pense que, comme je l'ai dit la dernière fois, les déplacements, on sait comment on va être reçu maintenant. Hein. Terrain pas arrosé, tout ce qui va avec. Donc, on sait comment ça va être. Je pense pas que c'était au-dessus, mais peut-être qu'on n'a pas pris l'importance du match comme il l'était, c'est tout. Il y a des objectifs. L'objectif du club, on sait très bien quels sont les objectifs du club. C'est pas lorsque je signe, on me dit pas l'objectif c'est de gagner le Classico. Non, l'objectif c'est de gagner des titres. On est toujours premier. Le rêve c'est de gagner la Ligue des Champions. On est premier de notre poule. Donc pour l'instant, on fait un bon début de saison. On n'a toujours pas perdu. Donc même si on n'était pas loin aujourd'hui. Donc non, je pense pas que ce soit ça le problème. Oui, un match à part, oui, on peut dire ça. Après, c'est vrai que c'était un match difficile pour nous. Marseille a fait son match. Je pense qu'ils ont fait une très belle performance, il faut les féliciter. Et nous, on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on faisait depuis le début de l'année.